Alors, bonsoir, bienvenue à cette vidéo live. Juste comme à l'habitude, le temps que je me branche sur Facebook pour voir vos commentaires. Bon, est-ce que je vois ma vidéo présentement? Non. Alors, ça sera pas tellement long. Ah, non, non, je la vois pas, c'est celle. Où est-elle? Où est-elle? Un instant. OK. Non, même pas. C'est celle de jeudi. OK. Bon, je la vois ici. Bon, c'est parfait. OK, ben juste le temps que je me replace un instant. Je vais couper le son. Je veux juste voir si je suis capable de faire un zoom. Non, on dirait que non. OK. J'espère que ça va fonctionner mieux que, je vous dirais, jeudi soir. Parce que quand j'ai regardé ma vidéo, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de. On voyait beaucoup de zoom, là, tu sais, sur. Bon. On va dire que ça va passer comme ça. Alors, ben, mon nom. Ah, ben, bonsoir Daniel. Bonsoir Maëlie. Est supposée être avec toi. Ben, mon nom est Louise Dubé, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Fait que je fais un petit live improvisé le samedi soir. Je partais pour faire ma boîte de Pepper Pumpkin. Puis je me suis dit, bon, ben, c'est pas pire l'affaire en live. Fait que je l'ai vraiment. Je l'ai pas débouché. Je sais un peu ce qu'elle contient, là. Mais je l'ai pas débouché. Les informations vont être comme à l'habitude sur mon blog. Je ne sais pas si ça va être ce soir ou demain. Vous avez les coordonnées pour me rejoindre. Je vais aussi déposer la vidéo sur ma chaîne YouTube. Puis, n'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'il y ait le plus de gens possible qui viennent nous rejoindre. Je tasse ma souris parce que là, je voyais on voyait ma souris dans l'écran. OK. Alors, il y a du papier design qui est présentement disponible dans le catalogue. Semi-annuel, je crois qu'on l'appelle, qui est en rapport avec le contenu du Pepper Pumpkin. Fait que si vous voulez vous le procurer, vous pourrez toujours m'écrire. Comme à l'habitude, ben, il y a toujours un petit tampon encreur, mais étant donné que moi je l'ai en grand pad, je vais prendre ça, baie des Bermudes, puisque je réserve toujours mes petits pads pour des cadeaux à mes clients. Alors, les estampes. Un instant, je vais essayer de vous mettre un petit quelque chose de blanc pour qu'on les voit un peu plus. Ce sont, comme à l'habitude, des souhaits en anglais. Mais, non, je vais les mettre au moins à l'envers. Non, ça, ils vont vraiment comme ça. Fait que moi, je vais me servir des popsicles, melons et des petits picots ici. Là, j'espère que ma vidéo passera pas, que ma caméra, c'est-à-dire mon téléphone, passera pas son temps à faire des focus comme l'autre soir. Là, je vois qu'il en fait un petit peu quand même. On va essayer de régler ça à un moment donné. Fait que, comme je vous disais, il n'est même pas débouché, là. Désolé pour le bruit. Et le titre de ce Pepper Pumpkin-là, c'est So Cold. Instruction. Hey! Regardez ça, les belles couleurs. C'est super. Fait que dans le fond, ça ressemble à être des cartes. Je sais pas, honnêtement, là. Je vais découvrir ça moi-même. Ah oh, oui, c'est des cartes, j'ai des enveloppes. Fait que c'est peut-être style carte postale. Puis le Pepper Pumpkin, c'est une boîte qui contient tout. De A à Z. Dans le fond, la première fois qu'on l'achète, on reçoit un bloc acrylique avec la première boîte. Ensuite, à partir du moment qu'on a une boîte, si vous vous réabonnez pour une autre boîte après, vous ne recevrez pas de bloc acrylique. C'est vraiment juste la première boîte qu'on reçoit. Bon, on a de la ficelle ici qui semble être beau bourdon. Je vais juste regarder les couleurs. Tiens, ça va aider. Ici, on a toujours une cartonnette. Moi, je la garde pour faire autre chose.
Bon, alors, les couleurs identifiées, c'est ça. Baie des Bermudes, ça doit être cuvée de cassis. Ensuite, Beau-Bourdon, cidre à la cannelle, vert olive et terracotta thyle. Et, mon Dieu, je ne sais pas lequel que c'est, ça. Hey, non, mais sais-tu, hein, c'est beau. Ici, bon, on a les instructions. C'est ça, c'est des cartes, dans le fond, mais faites en forme de popsicle, en forme de quartier de melon d'eau. Super. Fait que moi, je mets ça ici. Je vais me servir de ça pour les modèles. On a dans ça des petits, des demi-points, des doubles, voyons, des points de colle double face. OK. La ficelle. Ça, c'est, oh, du papier pailleté. Wow! Qu'est-ce que j'ai besoin dans le papier pailleté? OK, je vois que j'ai besoin de ça ici. On a des petits trucs comme ça. On a des trucs comme ça. D'après ce que je peux voir, j'en ai besoin. OK. J'ai besoin de deux comme ça. On a quatre modèles. Oh, wow! Je n'avais pas remarqué. Fait que j'ai besoin de deux comme ça. Deux petits ronds. Et deux petits carrés comme ça, deux petits rectangles. Je mets ça de côté. Ensuite, ça, c'est les étiquettes pour les souhaits. Je vais les mettre ici en attendant. Ça, oh wow! Wow! Fait qu'on a deux feuilles comme ça. Je vais m'en mettre une de côté, c'est ça. Je vais en avoir besoin juste de une. Et on a nos cartes ici. Ça nous donne 12 cartes. Ça veut dire qu'on a trois de chaque. Wow! Je trouve ça vraiment beau. Hey, non, mais c'est assez original. Wow! OK, ça c'est le premier modèle. Je mets ça de côté. Le deuxième modèle. Encore là, j'en ai trois en tout. Le demi-melon. Ça va nous faire une belle carte, ça aussi. Ça va être original. Oh, ils ont l'air à la placer comme ça. Ah, oh, okay. Probablement qu'elle va s'ouvrir demain. On va tout voir ça tantôt. Mais dans le fond, c'est quatre cartes que je vais faire. Mais là, habituellement, c'est pas tellement long, là. Et on a celle-là ici qui est comme un arc-en-ciel. Je tasse tout ça. On a les enveloppes. Est-ce que les enveloppes. OK, les enveloppes sont toutes pareilles. Et voyez-vous les belles enveloppes? 3, 4. Je m'en garde 4. Les autres, je les mets de côté. On a aussi des points de dimension pour mettre tout ça en dimension. Et je vais commencer, tiens, par le petit popsicle au kiwi. Et je me suis sorti un jeu d'étampes, moi, pour. Étant donné que les souhaits sont en anglais, j'ai sorti le jeu d'étampes pensé pour toi. Puis, ce que je vais faire, attendez un petit peu, je vais écrire. Voici un petit quelque chose, hein. Je trouve que ça va bien. Malgré. Oui, je vais être bonne pour l'écrire sur des grandes étiquettes. Puis sur les petites étiquettes, je vais écrire peut-être une autre année sensationnelle. Ou félicitations. Je pense que c'est ce qui va rentrer. Attends un petit peu, là. Je suis un peu mal pris. OK. Je mets ça de côté. Fait que je commence par celle-là ici. Alors, c'est pas compliqué, je la plie en deux. Je fais mon pli comme il faut. Bon, là, il a pas l'air à faire trop de zoom. Peut-être que c'est parce que je bouge pas trop non plus. Je vais me chercher un rond, une étiquette. Ça, c'est un rond. Ici, je vais attendre avant de le. Et je vais voir si ça rentre. Ce que je voulais mettre. Ça, ici. Ah, ça serait parfait, ça. Oui. Alors, je vais mettre une autre année sensationnelle pour toi. Fait que ça, c'est un abonnement qui coûte 30 $ par mois.
Vous avez le choix de le prendre pour un mois, deux mois, aller jusqu'à 12 mois. Et vous pouvez le prendre aussi mensuellement, mais une fois de temps en temps, selon le thème qui est annoncé. Assez souvent, on sait un peu le thème un petit peu d'avance. Habituellement, j'avais jusqu'au 10 du mois précédent pour pouvoir vous abonner. OK, puis là, je vais essayer de me placer au-dessus pour le mettre le plus droit possible. Puis là, je vais en faire une deuxième parce que l'autre aussi, le demi-melon d'eau, là, c'est une disquette ronde comme ça. Puis Maëlie, est-ce qu'elle trouve ça beau, des beaux popsicles? Tiens, j'ai mes deux étiquettes de fête avec ça. Tiens, je vais faire, tant qu'à ça, je vais faire, tant qu'à sortir le... Je vais. Tiens. Sortir tout de suite. Tiens. Je vais étamper. Fait que mon étampage sera fait. Voici un petit quelque chose pour toi. Ben, je dis pour toi, c'est pas écrit pour toi, là. C'est moi qui ai rajouté pour toi. J'essaie de me placer au-dessus le plus possible. Peut-être que vous allez me voir à la toupette. Elle dit oui, bon. C'est coloré, hein? Tiens, mon étampage est fait. Elmo! Arrête! OK. Fait que je serre ça ici. Fait que sur... ça, on va mettre une étiquette ronde. Une autre année sensationnelle pour toi. Et je vais aller mettre des doubles points de colle. Des points de colle double face plutôt. Elmo! Ça, je vais en mettre quelques-uns parce que c'est du papier pailleté, là. Faut que ça coule. Ça, ces petits points-là, là, quand je fais du bricolage comme ça, j'en ai partout. Bon. Fait que je m'en viens coller ça dessus. Fait que, voyez-vous, il y a juste un petit peu qui déborde. Comme un petit soleil. Fait qu'on s'en vient mettre ça sur celui-là, ici. Puis, faut mettre un petit peu de ficelle. On va faire comme une petite boucle en ficelle. Non, si je peux trouver le début. Je pense qu'il est ici. Ouais, c'est bon. Fait qu'on va aller faire une boucle. C'est sûr qu'on a beau avoir tout prévu, tout dans le kit. Ça nous prend quand même des ciseaux, là. Il y a juste ça qui manque, mais là, ma connaissance, je connais pas personne qui a pas de ciseaux chez eux, là. Fait que je fais une boucle comme ça. Des fois, je fais deux oreilles de lapin, ça dépend. Là, j'ai peut-être pris un petit peu trop de ficelle. J'aurais dû la mesurer. Habituellement, à l'intérieur, les instructions, ils nous le disent comment en prendre. Bon, tiens, je vais juste... la recouper un peu. Et encore là, je la mets avec des points de colle. Bon, c'est à peu près dans le milieu. Ça, je vais y en mettre trois. Mais tu vois, ils nous en mettent assez pour qu'on puisse là, être généreux avec ça. J'aime mieux en mettre un peu plus. Non, ben je m'en viens mettre la petite boucle ici, sur les points de colle. Et, ensuite, en dimension. Ah, ben merci beaucoup, Maëlie. J'espère que mes petits-enfants vont vouloir bricoler, que je puisse bricoler avec eux autres. Ils sont trop petits encore, là, mais remarque, ils font tellement beaucoup de bricolage
à la garderie que peut-être qu'ils voudront pas. Ils voudront pas bricoler avec mamie parce qu'ils vont être tannés de faire du bricolage, mais en tout cas. Je l'espère qu'il va en avoir au moins un des trois qui va aimer ça. Fait que je m'en viens coller ça, tiens. Parfait. Hey, j'en ai une de faite. C'est assez original, coloré. J'aime ça. Puis, on la met dans l'enveloppe ici. Tiens, une de faite. On va faire, tiens, ici, le changement. On va faire le melon d'eau. Il présente comme ça. Encore là, je prends... où est-ce que j'ai... OK, j'ai mis mes étiquettes ici. Même chose. Je mets encore des points de colle double face. Où sont-ils? Ils sont ici. C'est tranquille le samedi soir, hein? C'est pas grave. De toute façon, je tenais à la faire parce que j'ai déjà annoncé c'était quoi le thème de ma vidéo de jeudi soir parce que je vais quand même en faire une par jeudi soir à 20h, comme à l'habitude. Puis, comme j'ai déjà annoncé ça, là, ça, j'aurais été obligée de faire mon Paper Pumpkin juste l'autre semaine. Je trouvais que c'était tard un peu. Habituellement, j'aime ça les faire le plus rapidement possible. Là. Dès que je les ai, j'aime ça le faire parce que... j'ai trop hâte, puis fait que c'est pour ça que je me suis... Bon, je vais le faire samedi soir. De toute façon, les gens pourront toujours reprendre la vidéo en différé, c'est pas grave, là. Fait que, encore là, on met une autre année sensationnelle pour toi. Alors, c'est encore moi qui dis pour toi. Hein? Là, je sais pas, je vois qu'il y a des messages, mais là, je peux pas aller... je peux pas les prendre en même temps. Peut-être que c'est quelqu'un qui veut savoir ce que je suis, là. Je sais pas. Mais là, Daniel, de toute façon, j'ai vu que tu avais envoyé le lien dans le groupe famille. Fait que s'il y en a qui veulent venir voir, ils vont juste cliquer sur ce lien-là. Même chose, on remet encore des points de colle. Hey, c'est assez simple, là. C'est sûr que ça, c'est le genre de projet qu'on peut faire avec des petits-enfants, là. C'est sûr que peut-être les points de colle double face sont un petit peu plus difficiles à manipuler pour des petits-petits-petits-enfants, là. Mais comme Maëlie, là, elle serait super bonne avec ça, elle. Elle pourrait faire ça, des belles cartes de même. Elle serait capable de coller les points. Puis peut-être qu'elle aimerait aussi faire différents modèles. Elle aimerait peut-être mieux faire à son goût que de suivre les modèles qui sont proposés. Parce qu'on a toujours le choix de faire ce qui nous est proposé ou de faire autre chose. Là, ce soir, je fais vraiment ce qui est proposé. Là, je vois qu'ils nous ont mis des autocollants, mais où est-ce que je les mets, les autres autocollants? C'est ça que je voudrais savoir. Et donc, ils ont dû nous proposer d'autres projets, là. Fait un autre de fait. On met ça ici. C'est sûr que les autocollants, je pourrais en mettre sur les enveloppes. Ensuite, on fait l'autre popsicle. Je vais juste me prendre une gorgée d'eau. Moi, je pourrais peut-être vous la montrer plus proche, hein? Parce que je me rends compte que il fait un petit peu des... Il fait encore un peu des focus. Je vous la montre de plus proche. OK. Ensuite, on fait l'autre popsicle. L'autre popsicle, c'est une grande étiquette, comme ça. Avec un rectangle, puis une boucle. Ça fait que je vais tout préparer ça. Ensuite, je vais avoir juste à coller. Maëlie, elle en fait-tu du bricolage? Ça doit. Je ne sais pas si elle en fait avec sa maman. Ou peut-être qu'elle en fait avec ses petits amis. Mais là, les petits amis,
C'est sûr que c'est pas facile de cet incite à voir les petits amis. Hein. J'enlève mes doubles points de colle. Et je vois qu'ils ont mis. Dans le fond, ils ont mis ça comme ça. Attendez, je vais commencer, je pense, par la coller ici. Puis, je vais la coller ensuite comme ça. On ne voit pas beaucoup la... Je vais la mettre plus en diagonale. Qu'on voit plus ma boucle. Qu'elle dépasse en haut puis en bas un petit peu. Bon. Puis ensuite, sur les deux points de colle ici, je mets mon petite étiquette rectangulaire. Tiens, comme ça. Ensuite, on va les mettre ça en dimension. Puis, on va aller coller ça sur notre beau popsicle. Oh, elle n'est pas tout à fait droite. Elle n'est pas tout à fait centrée, mais c'est pas grave. Là. Je vais m'arranger pour. On a un autre de fait, un beau popsicle. Oups! Bon. Fait qu'on met ça dans l'autre enveloppe ici. Et ici, on va faire celle-là. Ah, elle est sur ce sens-là. Bon. Même chose, on fait une boucle. Je vais aller vous montrer en arrière les modèles. Ils nous proposent toujours d'autres modèles à faire avec le, une partie du contenu. Là. Même chose, on les met, on met ça comme ça. C'est ça que je vais faire. Je vais mettre mes petits points ici. Je vais commencer par aller mettre ma ficelle. Puis après, j'irai mettre mon... Je vais le mettre en dimension, je pense, celui-là, tout de suite, avant de le mettre. Ouais. On va faire encore des focus. L'image qui bouge tout le temps. Ouais. Il faudrait que je regarde ça sérieusement, comment je peux faire pour... Il faudrait que je rapprocherais un peu. Je ne peux pas rapprocher mon trépied plus que ça. Il est au plus bas. Et on s'en vient mettre ça ici, à la base. On peut le faire dépasser un peu aussi. Moi, je ne le ferai pas dépasser. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne... Ça donne nos... Attends, c'est ça un peu. Puis là, il me reste des autocollants que je vais pouvoir mettre, là, soit sur les enveloppes. Je vais aller voir où est-ce qu'ils les mettent, les autocollants, ouais. Ah, c'est ça, ils les mettent pour fermer les enveloppes. Mm. C'est bon. Fait que moi, c'est sûr que je ne les mettrai pas tout de suite. Parce que là, fait que voyez-vous, on a ces belles enveloppes-là avec ça. Ensuite, on a cet autre modèle-là. Puis, on a cet autre modèle-là. Puis, ce qui nous est proposé, autre... Ah, voyez-vous,
Ça, c'est ce qu'il nous propose. Ça, c'est suggéré dans le kit. Ensuite, on pourrait arriver puis prendre une base de cartes régulières puis coller cette partie-là là-dessus. Oui, ça serait une bonne idée. Puis, voyez-vous, ici, on peut étamper parce que là, je ne me suis pas du tout servi des étampes. Ben, les étampes, je pourrais aller en faire en dedans. T'sais. Je vais aller en faire une en dedans juste pour dire que je m'en sers. Je vais tasser ça. Je vais aller mettre un petit popsicle dans celui-là ici. Oups. Non, tiens, je vais le mettre dans lui. Tiens. Un petit popsicle. Ouais. On pourrait le colorer aussi au crayon plomb, pas, au crayon couleur ou au crayon ou au feutre à l'alcool ou ouais, peut-être pas feutre à l'alcool, je dirais plutôt feutre à l'eau pour pas que ça traverse l'autre bord du papier. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne pour la vidéo ce soir. Ben, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé ça comme moi très coloré. Puis n'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'il y ait plus de monde possible qui puisse la voir. Et peut-être que sur le kit de Stampin' Up, sur le site de Stampin' Up, il en reste peut-être des kits comme ça. Quand il en reste, ils les mettent en vente au même prix, mais des fois, il est possible de s'en procurer quand même. Dans le pire des cas, contactez-moi, puis je pourrais toujours m'informer. Alors, ben, j'espère que ça vous a plu, puis on va se dire à jeudi prochain. Je vous souhaite un bon dimanche pour demain. Et on va se dire quand même bonne fin de semaine, puis on se voit jeudi prochain, 20h. Merci. Bye bye, Maëlie. Salut, Daniel.